Nous avons déjà Ballet Tuarte Jazz, qui pour nous est très important puisque il nous aide à promouvoir la danse amateur. Et de par les concours, nous en faisons de partout en France et en Italie toute l'année, même en Suisse. Et nous recevons donc, nous avons le plaisir de recevoir aussi les participants de toute l'Europe à nos concours internationaux. L'école Accordance et la compagnie Corps à Corps a obtenu d'excellents résultats tout au long de l'année. Nous avons fait quatre concours, dont le concours de Montpellier au mois de février. Nous avons également participé à la Confédération nationale de la danse qui se déroule en deux étapes, avec le concours régional tout d'abord, et ensuite passe en national. Cette année, on avait le plaisir d'être à Nice, donc c'était super parce que pour les élèves, ça faisait un déplacement en moins, c'est certain. Et ensuite, nous avons aussi fait le concours de Monaco. Nous avons le gala de fin d'année, donc dans notre gala de fin d'année, nous avons tous les élèves qui ne sont pas en section intensive également. Donc nous présentons aussi le travail que nous effectuons avec des enfants à partir de 4 ans, sans limite d'âge ensuite. Donc on répartit le gala en deux parties, la partie des enfants entre 4 ans et 12 ans, puis le soir un petit peu plus tard, les plus grands. C'est un gala qui est ouvert au public ? Oui, oui, oui. Tout le monde peut venir. Les places sont en vente dans notre école jusqu'au jour du gala. Et vendredi, vous pourrez également prendre des places directement au CCAM juste avant le gala.